Vous mes empotez. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouvel épisode de mon Let's Play sur les Sims 3. Et la dernière fois là, et je vous dis pas comment on est devenu riche, mais tout ça c'est grâce à vous. Puisque dans les commentaires, on m'avait dit, mais meuf, cueille des fleurs et vends-les, tu vas voir, tu vas être la fortunasse, la fortunée. Mais je ne vous croyais pas, mais j'ai eu tort. Et je me suis mise à cueillir des fleurs dans le jeu, je vous jure, on est riche maintenant. Donc ce qui est prévu dans cet épisode, c'est de réunir un maximum d'argent et à la fin de choisir une nouvelle maison où vivre avec Myron, notre fils. Enfin notre fils, enfin le fils de Massimette. Je prends trop ce Let's Play à cœur, je crois. Donc écoutez, c'est parti pour la vidéo. Avec la richesse, la fortune, la gloire et la beauté. C'est parti. Ok, donc la dernière fois qu'on s'est laissé, on était à 6700, c'est déjà énorme. En tout cas, en vendant des fleurs, c'est énorme. Je vous jure, cueillez des fleurs dans la vraie vie et allez le vendre au fleuriste. Vous aurez pas la même somme à mon avis, hein. Si seulement c'était aussi facile. Même dans Animal Crossing, t'as pas ça. Qu'est-ce qu'il a le chat à miauler? Ah, il veut sortir. Mais ouais, mais j'aime pas. Reste là. Quand on aura une maison avec un jardin un peu plus grand, tu pourras sortir, mais là, je sais pas, ça m'inspire pas confiance. Il a cassé son arbre à chat. Oh là là. Igambad en tout cas. Tiens, bah va faire tes griffes. Donc ouais, l'objectif, c'est au moins, minimum d'avoir ici 10 000, puisque la maison, elle vaut presque 20 000. Donc pour prendre des bases saines, je pense que c'est ce qu'il faut. J'ai l'impression d'être une conseillère d'orientation, mais pour les Sims. Je sais pas si je suis très douée dans ce domaine, mais écoutez, on va voir où ça nous mène, en tout cas. Ok, le travail commence dans une heure pour Cassie. J'avais pensé aussi à lui faire une petite, un petit relooking au niveau des cheveux, parce que je me suis dit, oh là là, elle est maman, peut-être qu'elle voudrait avoir les cheveux un peu plus courts, alors je sais pas pourquoi. Moi, dès qu'une Simette, elle devient maman, je lui fais un carré. Je me demandais pas pourquoi. Donc je sais pas trop, peut-être que je verrai pour faire un relooking dans cet épisode. Ah, le chat qui pose sa pêche, c'est parfait. Ah bah va vider la poubelle d'elle-même, de toute façon elle est totalement dans le vert, donc il n'y a pas de souci, elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Myron, est-ce qu'il a école aujourd'hui? Mais il a école dans 3 heures. Il faut absolument qu'il se réveille ce cocotier. Allez, on se réveille, wake up. Il va aller aux toilettes, je pense, et prendre un petit déjeuner. Non, pas de la salade, on va éviter. Il peut pas préparer quelque chose là-dedans? Oh, il peut pas préparer quelque chose. Bon, il va prendre pain et confiture, voilà. Cassie, ah, elle est en train de tout ranger, cette maniaque. Et elle va aller faire le lit de Myron. Ah, c'est quoi ça? Oh, Myron, il va être adolescent! Mais c'est pas vrai. Oh mais attendez, mais là on a un train de retard. Et Cassie, elle va être adulte. Non, mais on a un train de retard là. Vous savez qu'elle veut une petite fille quand même. Il va falloir vite qu'on trouve un cocotier. Bon, elle va au travail. Ah, finalement, elle a pas rangé le jouet. Je vais le faire à sa place. Je suis choquée, mais il grandit quand? Oh, dans 2 jours, il va être ado. Comment ça, dans 2 jours? Mais attends, quoi. T'as encore une jeune pousse, normalement, hein. T'es pas censé devenir un arbre aussitôt. Je suis choquée. Alors là, je suis choquée. Il est même pas allé aux toilettes. Il a pas écouté ce que j'ai dit. Et il s'étouffe en plus. Bon, là, il commence dans 2 heures. Il aura le temps, je pense, d'aller aux toilettes et de caresser un petit peu le petit chat mitaine, genre caresser, lui donner une friandise, pourquoi pas. Et donc cette petite graine là, ça va devenir un grand tournesol dans 2 jours. Oh purée de... Ah il m'énerve, il a tout cassé. Il a tout cassé, c'est pas possible. Oh, il y a une biche. Attendez, pause, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une biche, elle est devenue noire. Alors je sais pas si c'est un problème de graphisme ou quoi, mais ça fait flipper. Ah non, c'est parce qu'elle est dans l'ombre, ok. Elle fait peur, elle me fait peur, hein. Pourquoi elle est devenue marron? Et elle va dans l'école. Non mais là, faut déclencher le plan alerte biche, hein. Je vous jure, elle va à l'école. Bon, écoutez, peut-être que c'est une biche étudiante, je ne sais pas. Bon, on va lui faire rencontrer de nouveaux amis. Ah, vous entendez la cloche, elle est en train de sonner. Donc, il est en cours normalement. Oh, les bruits de fond, j'adore, j'adore, c'est génial. Cassie, c'est quoi ce lit? Non, tu vas pas faire le lit. Tu vas surtout cueillir des fleurs, ma grande. Hein. Plus là, c'est la saison idéale. Et puis, les œufs de Pâques. Alors, il y a personne qui m'a dit à quoi ça servait dans les commentaires. Alors, j'ai juste vu un commentaire qui me disait oui, si t'en cueilles plein, t'en as. Ça en forme un seul, en fait, et après, tu le vends et c'est super cher, mais j'ai pas compris. Parce que quand je fais ça, je sais pas où sont mes œufs. En fait, quand je les cueille, je les ai pas dans mon inventaire, alors je sais pas trop comment ça marche. Eh, y a pas beaucoup de fleurs aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, cueillir cette fleur. Je retiens jamais le nom des fleurs qui sont chères, mais bon, écoutez, je cueille tout. Ah, je cueille tout, je prends tout. Non, mais alors toi, stand des bisous, tu dégoûtes. Franchement, il est gênant. Il me met les frissons, quoi. Mais les frissons de gêne, hein, pas d'autre chose. Hein. Regardez la petite mamie qui se promène comme ça avec sa canne. Oh, genre Cassie, elle va être comme ça plus tard. Attendez, là par contre, j'ai peur, y a pas de fleurs. Y a qu'une fleur à cueillir. C'est toi qui as tout cueilli là? Ah non, elle ramasse les œufs. Bon, ça va, ramasse les œufs, ma petite. Elle aussi ramasse. Oh! Amélioration de la performance au travail. Atteindre le niveau de relation amie avec Dilly. J'aime pas les amis. Même dans les Sims, j'aime pas me faire des amis. Genre, vraiment, laissez-moi. On va continuer de tirer les pompes et ça ira tout aussi bien. Hein. Attendez, j'aimerais bien voir s'il y a un endroit où il y a des fleurs. Genre, c'est débile, mais... Oh, le cimetière, je peux pas aller voler des fleurs dans le cimetière, les gars. Ça se fait vraiment pas. Bah, je vois pas de fleurs à cueillir. Hein. Y a juste des gens qui mangent un pique-nique, mais c'est tout, quoi. Bon, y a un cambriolage. Ou alors accessoirement je sais pas ce qu'il fout, mais non, il y a pas de fleurs dans ce parc. Parce qu'au cimetière c'est logique qu'il y ait des fleurs, mais c'est vraiment connard si je fais ça. Mais non, je vois pas de fleurs non plus à cueillir. Aïe aïe aïe. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? What happened? Il a eu un A à l'école? Arrêtez. Mais il est trop fort notre enfant, je crois que c'est ça. Hein. Oh, il a A, mais il est trop, mais il est intelligent. Mais c'est génial. Mais c'est trop bien. Gérer les morts? Pardon? Quoi? Attends, mon enfant, il peut aller là et gérer les morts, ça veut dire quoi?
explorer les catacombes. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais fait ça. Gérer les morts. Je comprends pas ce que ça veut dire. Je ne veux pas savoir ce que ça veut dire. Si vous savez, en commentaire. Hein. Trop étrange. Aussi, moi, j'aime bien aller à la casse. Mais en général, les objets qu'on y trouve, on peut pas les réparer. Donc, c'est pas foufou, quoi. Là, je peux toujours fouiller, mais ça me rapportera pas grand-chose, quoi. Donc, un peu la flemme. Je pense qu'il faut que je reste au niveau des fleurs. Hein. Déposer les fiches d'autorisation à l'hôtel de ville avant que le temps ne soit écoulé pour améliorer les notes de Myron. Bah ouais, il va le faire, écoute. Il va faire ça même après l'école. Pourquoi pas? Ah, son amusant, par contre, il est un peu bas. Je pense que je vais le faire décompresser, comme ça, moi, ça va remonter un petit peu. Puis comme il a une note de A, je pense pas que ça va impacter grand-chose. Ah, mais oui, on n'a jamais de facture, du coup. C'est trop bien. J'avais complètement oublié ça. Ah, son amusement, là, ça va pas du tout. Coule-toi la douce, ça veut rien dire. Bon, en gros, elle va se la couler douce, comme ça va remonter un petit peu, l'amusement, parce que là, ça va pas trop. Voilà, ça remonte bien. Ça remonte bien. Je sais pas si on va réussir à la faire aller mieux. Ouais, ça va. Ok, 144, pourquoi pas. Va accueillir les fleurs, ma petite Cassie. Ok, elle court. Le petit, il va déposer les fiches, c'est ça. Ah non, il est en sortie scolaire, mais oui, bien sûr. J'avais oublié, on a signé les fiches d'autorisation. Ok, la fleur que j'ai cueillie là, elle coûte combien? 15. Ah ouais, c'est pas la plus chère, quoi. C'est pas fameux, hein. Moi, j'ai cru que j'allais faire quoi en même temps que j'allais devenir riche avec des fleurs. Ah, mais je sais pas comment faire, hein. Ou alors, faut qu'on se trouve un vieux riche. C'est la seule solution, les gars. Ça, j'ai envie d'essayer. Je vous jure, j'ai envie d'essayer, mais il me dégoûte. Bon, vas-y, on essaye. Genre, 5 simflouz, il va me faire un bisou, le boug. C'est trop bizarre. Qui a inventé ça? Genre, ça existe, ça? Oh, ça me dégoûte. Non, j'aime pas du tout. Rends mon argent. Ah oui, à la majorité, vous n'aimez pas le blond. Hein. Genre vraiment, vous l'aimez pas du tout. Donc écoutez, on va pas aller plus loin avec lui parce que vous le sentez pas. Mais moi non plus, je le sens pas du tout. C'est quoi cette musique forte là? Non mais elle s'éclate. On a de l'argent à faire, Cassie. Hein. Peut-être que finalement, elle trouvera jamais l'amour. Moi, ça me fait trop triste. La pauvre. Genre, en vrai, les plus riches, ils habitent dans ces alentours là, ici. Justin, il habite ici, les gars. Il habitait ici, hein. Mais il était au chômage, je crois. Ici, ils sont riches aussi. Je me demande, est-ce que je drague pas le pépé et... et je me marie avec et il me donne des sous et après, je le quitte. Non, mais c'est pas bien, Sarah. C'est pas bien. Ça, ce sera vraiment en dernier recours, d'accord? Dans cette maison ici, elle est vachement riche, mais il y a personne dedans, je crois. Quoi qu'il faut aller sonner, je vais aller sonner. Hein. Écoutez, on va aller là-bas. Je vais aller sonner là-bas. Oh, mais ça a pas l'air si riche que ça ici. Je me suis trompée. Hein. C'est où la richesse? Ah, la richesse, c'est là-bas la richesse, évidemment. Mais Sarah, comment t'as pu oublier ça? Quand j'étais petite, je me faisais des Motherlode, et hop, c'est parti, j'allais habiter là-bas. Hein. Shark est au parc. Ah, je peux pas aller lui rendre visite. Wolf, ok. Et Will Wolf, okay. Ils sont pas là tous. C'est quoi? Je vais aller l'attendre. Non, mais les gars, Cassie, elle mérite cette vie-là. Écoutez, je vais aller l'attendre et je vais aller l'attendre, c'est fou. Bon, Myron, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il rentre de sa sortie scolaire, ok. Mais qu'est-ce que tu fais là, à l'hôtel de ville, rentre à la maison? Peu cher, il me fait de la peine. Ah, il veut faire ses devoirs, bah tu feras tes devoirs à la maison. Oh, avec son vélo, non mais canaille, il est adorable. Et elle marche, ok. Ok, bon, bah il va s'asseoir et il va faire ses petits devoirs pendant que nous, on essaie de draguer un riche. Ah, bah déjà, on joue avec le chat de la personne, donc ça devrait aller. Ah, ça y est, on peut toquer, les gars, on peut toquer. Oh, j'ai peur. Ok, c'est bon, on toque. Est-ce qu'il a une tête de chou-fleur ou pas? Il a une tête de chou-fleur, c'est grave triste. C'est peut-être... Oh non, c'est un vieux. Allez, dis pourquoi pas, soyons fous. Ah ouais, non. Tu vas être plus vite périmé que la viande que j'ai au congélo, quoi. Il est riche, mais ouais, je sais, mais il est vieux. Il est vieux, quoi, c'est... Il a pas un fils. Oh, il a pas un fils. Je sais pas quoi faire. Oh, il m'offre des fleurs. Pardon. Les gars, je n'ai rien fait, je vous jure, je n'ai rien fait, d'accord? Il m'a offert des fleurs. À quelle heure tu m'offres des fleurs? On ne se connaît pas, toi et moi, mais... Écoute, pourquoi pas, hein? Non mais les gars, regardez, ça se passe trop bien entre eux. Bah écoutez, la brèche est ouverte, j'y vais, hein. Complimenter la personnalité, parce que l'apparence, faut pas déconner non plus. Demander si la personne est célibataire, ouais. Non mais j'y crois pas, quoi. Après, avoir une grande maison comme ça, ça m'angoisserait beaucoup plus qu'autre chose, hein. Vraiment, je veux pas une grande maison comme ça, hein. Alors, est-ce qu'il est célibataire, ce cocotier? Ah, ça a l'air d'être oui. Par contre, il a un tatou. Franchement, il est vieux, mais il fait jeune. Vous voyez, il fait vieux, mais il fait jeune. Je sais pas ce que je fais. Après, c'est mon jeu en soi, je fais ce que je veux, mais j'ai trop peur à chaque fois de vous... Tu sais, de vous déranger ou de vous frustrer, du coup, je sais pas quoi faire. Ah quoi? C'est qui, elle? C'est qui? Attends, c'est sa fille? Oh my god, ça se corse, hein? Et je parle pas du pays, hein? Non, mais là, j'ai trop peur. Loli Racket, Bill Racket, bah oui, c'est ça. C'est bien ça. Oh, elle va nous voir. Ah non, c'est bon, ça va. Si, elle arrive. Mais qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit rien. Bon, ok, d'accord, on est passé inaperçu. Elle veut faire quoi? Inviter Bill? Ouh là là. Ouh là 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 là. Embrasser dans la fouille de l'instinct. Allez, allons-y. Ah, il aime pas. Ah non, il a pas kiffé du tout même. Il a pas kiffé. Oh non, les billets s'envolent. Non. Mon rêve s'en va là. On va le flatter. Ah non, ça
va pas, ça va pas. Ce riche ne nous aime pas, on va rentrer à la maison. Ce riche ne nous aime pas, c'est lui qui a commencé, d'accord ? Donc il fait ses petites manières, là, en mode, ah, mais, ah, je suis choquée. Eh, frère, tu nous as offert des fleurs, là ? Des fleurs roses ? Désolée, mais offrir des fleurs roses comme ça, c'est pas anodin, hein ? Wow, purée, je me voyais déjà dans la piscine. Oh là là, quel échec pour la joueuse Marie-Sara. Oh, avec notre vieille voiture, ah oh non, je me fais de la peine. Bon, Myron, il joue, ok, je pense que je vais lui faire prendre une douche. Et ensuite, il ira faire dodo, hein, parce que ça va être l'heure. Je suis dégoûtée. J'entends la voiture de Cassie arriver. Oui, elle est là. Non, mais elle fait tellement de bruit. Bon, je pense que je vais aller la faire se coucher parce qu'elle est vraiment épuisée. Manger, elle le fera demain. Et se laver, elle le fera demain. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Puis, on n'a pas de fleurs à vendre, quoi. Bon, là, il y en a une, tu sais. Mais je pense pas qu'elle coûte très cher, quoi. Puis, même si elle coûte 100, enfin, c'est une fleur de 100. Je veux dire, ça va pas nous payer notre future maison, quoi. Allez, petit Myron, va te coucher. Si tu savais tout ce qu'on est en train de faire pour toi, là, pour être riche, hein. Bon, le Chamiten, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire ses grilles. Il a raison, ok. Après, je pense qu'il va aller manger un petit coup. Hop, manger dans la gamelle. Et ensuite, il ira faire un gros dodo. Il peut dormir sur le canapé. J'ai jamais capté. Ouais, il peut dormir ici. Bon, on va le faire dormir sur le canapé, j'ai envie. Oh, trop mignon, trop canaille. Ah, il y a une assiette qui traîne là, j'aime pas ça. Hop là. Ah, je peux pas. Ah, ici. Oh, c'est la journée de l'amour aujourd'hui. Non, mais il faut trop que je trouve un mec aujourd'hui. Il faut trop que je trouve un mec. Oh non, la douche, elle est cassée. Oh non. C'est une blague. Bon, ben, va la réparer. De toute façon, t'as envie de te doucher. Donc va la réparer et va manger des céréales. Vraiment ça, elle a une vie compliquée. Hein. Ah mais elle a pas voulu réparer la douche. Non mais va réparer la douche Cassie. Ton fils il va sentir le putois avant d'aller à l'école, c'est pas terrible. Et oui il est là. Oh mais pourquoi il fait ses devoirs encore? Qu'est-ce qu'elle a à crier? T'es folle ou quoi? Bah douche-toi tiens. Et va aux toilettes et ensuite va... Ah la télé aussi elle est cassée? Arrête, arrête tes conneries. Tout est cassé quoi. De toute façon c'est un jour férié du coup elle a le temps. Oh le petit avec le chat adorable. Mais du coup il grandit demain c'est ça? Ouais c'est ça hein. Oh, mais quelle angoisse. Bon, aujourd'hui, on lui trouve un mec. Il y a pas moyen. Aujourd'hui, on lui trouve un mec. C'est la journée de l'amour. Dès qu'elle a fini de réparer, on va trouver un petit gars. Riche de préférence. Bah, fais tes devoirs après avoir mangé, toi, vu que t'es dans le verre. Ou alors, faut peut-être qu'elle aille se faire un relooking, les gars. Peut-être qu'après son relooking, elle se sentirait mieux. Moi, je dis pourquoi pas. Allez, on va essayer de lui faire un petit relooking, de voir qui t'es, toi. Frérot, vas-y, installe-toi. C'est qui? Tim Buret. T'es qui? Ah oui, j'ai un bug avec les colocataires. Je sais pas pourquoi. Mais attendez, il est quand même. Il est intéressant celui-là, non? Il a l'air sérieux, il a un ordi portable. Pourquoi pas? On va se présenter à lui avant de le virer parce que forcément, comme j'ai des bugs de colocataire, j'en ai tous les jours qui viennent. Je sais pas d'où ils sortent. Donc si vous avez la solution aussi, et je suis tout le temps obligée de mettre congédier le colocataire pour qu'il s'en aille. Bon, c'est pas très grave, hein. Mais ça va peut-être emmener notre futur mec, hein, je sais pas. Moi, il m'a l'air sérieux en tout cas. Bon, au niveau des cheveux, qu'est-ce qu'on peut faire, Cassie? Bon, concrètement, au niveau des CC, ok, j'en ai pas mal. Un coupe au carré, il y a ça, mais je trouve que ça lui correspond pas beaucoup. Genre, c'est un peu fade. Après, il y a la couleur de cheveux qu'on peut changer. Hein. Genre là, actuellement, elle a quoi? Elle a ça, c'est ça? Je suis même pas sûre. Non, on peut foncer un peu les cheveux. Je sais pas. Il y a ça aussi. Ah, ça, c'est joli. Ou alors ça. Ça, c'est pas mal quand même. Hein. Bah, ça lui donne tout de suite une autre allure. Donc, je sais pas trop si j'ai envie qu'elle ait une allure comme ça. Ça fait peut-être un peu vieux comme ça. Hein. Oh! Ça, c'est trop mignon. Ah non, c'est ça qu'il lui faut. Ça, c'est ça. Ah ouais, ça, c'est ça peu cool. Ça, c'est ça peu cool, les gars. Et du coup, en couleur, on pourrait essayer de foncer un petit peu. Hein. Blonde, sûrement pas. Ça lui va pas. Rousse, c'est joli, mais sans plus. Noir, je trouve, c'est trop noir. Ça, c'est vraiment sa couleur d'origine, quoi. Moi, je l'aime trop comme ça. En plus, Myron, il a la même couleur de cheveux, donc ce serait dommage de changer. Je pense qu'on va laisser comme ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas de musique d'arrière-plan quand on change d'apparence. Bon, je lui ai mis un petit maquillage un peu plus prononcé. Rien de foufou, quoi. Mais sinon, ouais, on va la laisser comme ça. Bon, par contre, ouais, t'es qui, toi? On va se présenter à lui. Mais je peux pas. Ah, si, présentation amicale, ok. Pourquoi il a mis la musique à fond, ce bug? Réparer la plomberie au restaurant pour gagner de l'argent. Ouais, on va accepter parce qu'on est vraiment à la dèche, quoi. Bon, on va se présenter à lui. Comme ça, on l'a dans nos contacts si jamais on trouve pas de gars. Mais Tim est plutôt cute. Tim est plutôt cute. On va le congédier, mais on l'a dans nos contacts. Je vais aller réparer la plomberie du restaurant. Et ensuite, bah écoutez, on va essayer de trouver un petit mec. Hein. Il part avec quoi? Wow! Attendez. Oui, oui. Je crois qu'il est riche. Je crois qu'il est richou. Ok, Tim. On se reverra. À la revoyure, Tim. Ouais, parce que, ouais, nous, on est de suite moins stylés. Vraiment, on voit la diff, quoi. On voit la diff. Bon, on va aller réparer ça. J'espère que c'est pas trop compliqué pour Cassie. Oh, mais c'est adorable. C'est un petit restaurant tout mignon. J'adore. Bon, ça doit pas être bien compliqué, du coup. Ça, je crois qu'on voit pas l'intérieur, si je me souviens bien. Ouais, on voit pas l'intérieur d'ici. Oula, y a la musique, hein. Mais on voit pas l'intérieur ici. C'est un des seuls bâtiments des Sims 3 où on peut pas rentrer dedans. Enfin, où on voit pas l'intérieur. Bon, vous avez compris, quoi. Leng veut démarrer la saison en organisant une énorme fête à son domicile. Ah ouais? C'est quand? Jeudi à 13h? Oh. Non, mais... Ah, je sais pas. C'est l'occasion de rencontrer quelqu'un aussi. Je sais pas du tout. Allez, j'y serai. On va y aller. Je vous jure, on va y aller parce que je sens que là-bas, il y aura un petit cocotier pour nous. C'est sûr. Ok, combien je vais gagner en réparant ça, moi? 350.
Bénef. Franchement, bénef, les gars. Vraiment, je suis trop contente. Ah bah là, il va y avoir la fête, je vais devoir y aller, je pense. Hein. Allez, on va y aller. Allez à la fête. J'espère que c'est un truc de riche. Oh, elle veut rencontrer quelqu'un, elle veut draguer. Et elle veut embrasser quelqu'un. Non, mais ça va pas, Cassie. Bon, on va le garder quand même. Hein. Bon, c'est où ta fête là? J'espère que c'est pas un truc pourri où il y aura que des ploucs. Hein. Oh non, c'est la maison de la dernière fois où il y avait une fête en maillot de bain, genre. Elle allait à la fête d'une célébrité. C'est une célébrité? What? Ah bon? D'où? D'accord. Oh, y a personne, j'étais sûre. J'étais sûre. Non. Toi, tu m'intéresses pas avec tes lunettes, là. Ouais, non, y'a personne qui m'intéresse à cette fête. On va retourner vers les riches. C'est mieux, les riches. Je vais aller là, je pense. Ok, c'est parti vers de nouvelles aventures. Elle veut quoi? Jouer à la marelle avec Marc? Alors non, on va pas jouer à la marelle avec Marc, non. Ah, mais elle est en tenue habillée, en plus, vu qu'elle était dans une soirée. Oh, la baraque, toi. Il me la faut, hein. Il est pas là. Pfff. C'est trop nul. Je peux pas aller me baigner, genre. Si, je peux aller me baigner. Je vous jure, j'allais me baigner chez lui. Non, mais arrêtez, c'est sérieux, là. Ah ouais, non, mais Cassie, aucun respect, quoi. Non, c'est pas possible. Mais elle va se faire virer de la baraque, là. C'est pas possible. Qui m'appelle? Oh, on peut vendre les fleurs qu'il m'a offert, le vieux. Ça me fera toujours des sous. 30. Nickel. Bon, pendant qu'elle se baigne chez un inconnu, y a pas une autre maison qu'on peut aller visiter, genre ça. Ils sont pas là non plus. Ah, oh, ils sont jamais là. Ils sont relous, les riches. Bon, on va tout simplement aller au festival du printemps. Écoutez, pourquoi pas. Dernier recours pour trouver l'amour aujourd'hui. Oh! Tao veut savoir si Cassie voudrait un rencard. C'est qui Tao? Venons, on y va. Je sais pas qui c'est. Tao? Mais c'est qui Tao? J'ai dit oui et il m'a... Ok. Ça a bugué, je sais pas qui c'est Tao. Tao, c'est le Vioc? Mais non, c'est pas le Vioc, mais c'est qui Tao? Tao. Bon bah écoutez, de toute façon, je saurais pas et bah écoutez, ça a pas marché. Donc bye bye Tao. Écoutez, on va inviter Tim à aller au festival pour voir ce qui se passe. En tant qu'ami d'abord, hein. On sait jamais, on sait jamais. Alors. Ok, il veut bien nous voir là-bas. En plus, on a un bamba. Laisse tomber, il va tomber sous le charme. Ouh là là. Qu'est-ce que je vois là? Des fleufleurs. Moi, je cueille les fleufleurs avant même de draguer. Ah non, les pépettes avant les mecs, hein. Ça c'est sûr. Oui, t'as faim. Bon, cueille les fleurs, s'il te plaît. Ah voilà, on rejoint Tim. Oui, bon, t'es très intéressant, mais là j'ai besoin de cueillir les fleurs, hein. Je suis pauvre. Ok, bon, après, n'oublions pas qu'il est riche, donc pourquoi pas. Allez, on va lui parler. C'est qui ça? Non, j'ai pas envie de te parler. Je sais pas qui tu es. Romantique, on va lui demander s'il est célibataire. On ne sait jamais. Oh, elle est trop chou, cette petite madame. Regardez, c'est assorti. Pourquoi c'est une paparazzi? C'est une star? Non, c'est pas une star. J'ai eu peur. Ah, il y a un monsieur fée là. N'importe quoi. What the fuck. Ok, il a pas de partenaire. On va se renseigner sur son parcours scolaire, pourquoi pas, et sur sa carrière. On va se renseigner sur ça quand même pour voir si c'est pas un chômeur comme Marc. Oh, il a pas aimé que je lui demande. C'est un bourreau de travail. C'est-à-dire qu'il doit bien travailler, alors voyons. Dompteur du danger, c'est un magicien. Oh là là. Mais est-ce que tu gagnes bien ta vie, Tim? C'est ça qu'on veut savoir. Il a un travail. C'est un artiste, Tim. Mais il a l'air un peu geek comme ça. Moi, ça me dérange pas, je trouve ça cute. Bélier. Aïe, les béliers. C'est un peu complexe, les béliers. Ok, il s'aime bien. Il se dragouille. Je vais le draguer. On va y aller franc jeu, tu sais quoi. On va l'embrasser. C'est le jour de l'amour. On verra bien s'il se passe quelque chose entre eux. Pourquoi elle nous prend en photo, celle-là? Je sais pas pourquoi elle me prend en photo, elle. Dans les Sims 3, quand on est une célébrité, on a des petites étoiles en dessous de notre nom, là. Donc, il y en a aucun de nous qui a ça. Donc, je sais pas pourquoi. Ça veut juste dire qu'il a un niveau 3 dans une compétence sociale, je sais plus. Il y a rebelle, je sais pas quoi. Enfin, très compliqué. Ça s'obtient, en fait, à l'université. Oh, regardez, ils s'entendent trop bien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que Mayron, on l'accompagne à l'université quand il sera plus grand et qu'on délaisse un petit peu Cassie. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je sais pas si Cassie aura une autre enfant et donc une autre fille. J'avoue que moi, je préfère jouer avec des simettes que des sims hommes. Donc, je sais pas si on l'accompagnera vraiment à l'université. Voilà, vous me dites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien rester auprès de Cassie jusqu'à qu'elle meure, quoi. Mine de rien, on s'y attache à ces petits sims, hein. Ok, il me trouve très séduisante. Allez, premier baiser, quand même. C'est parti. Oh oui, trop mignon. Comment ça? Quoi? Cassie a une réputation de... mène une double vie? Pardon, j'ai pas compris là. C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui suis à l'envers? Enfin, qui est à l'envers? Je ne sais plus parler. Comme ça, j'ai une réputation de double vie. Mais vous foutez de moi? Alors déjà, Marc, il me trompe, d'accord? Il est réputation fidèle et moi, je trompe personne. Je suis tranquille dans ma petite vie et je mène une double. Non, là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Mais comment ça, je mène une double vie? Comment ça? Bah attendez, mais ça va pas du tout. Avouer son infidélité? Non, mais là, je comprends pas. Par contre, attendez quoi? Attendez, mais j'ai qu'un cœur avec lui. Je comprends pas. C'est avec l'autre blond là? Mais non, mais attendez, il s'est rien passé entre le blond et moi. Je peux même pas rompre avec lui. Regardez. Non, mais là, je comprends pas la vie. Je comprends pas. Hein. Non, mais c'est pas juste. Mais what the fuck? Trop bizarre. Je vous jure, c'est trop bizarre. Je fais rien de mal et le jeu, il me remercie comme ça. Je suis désespérée. Je vous jure, je suis désespérée.
proposer de se stabiliser. Voilà, donc c'est que j'ai pas une double vie si je peux me stabiliser avec lui. Le jeu, là, réveille-toi, Ao. Non, mais je suis dégoûtée. La pauvre réputation double vie, génial, quoi. Ah, super. Bon, on va pas se stabiliser tout de suite avec lui. Je vais lui embrasser pour lui dire au revoir. Je vais rentrer auprès de Mayron, puisque demain, c'est son anniversaire. Donc, écoutez, on va l'inviter à l'anniversaire. On a passé beaucoup de temps ensemble, mais peu importe. Hein? Ah, on n'a pas passé. Ok, j'avais pas compris. Peut-être qu'on aura plus l'occasion de parler la prochaine fois. Ma t'inquiète. De toute façon, je vais l'inviter à l'anniversaire de Mayron demain. Pauvre Mayron, on n'est pas trop avec lui. Il est tout le temps avec son doudou, là, le pauvre. On va jouer un peu avec lui à pure feuille, papier, ciseaux. On va discuter. Je vais l'enlacer. Adorable. Comme ça, ils ont des petites interactions. Par contre, je sais pas si on va pouvoir déménager, les gars. On n'est pas très riches. Hein. Je pensais qu'avec les fleurs, ça allait aller tout seul, mais on n'a pas trouvé des fleurs, donc compliqué. Voilà, on papote un peu avec lui. D'ailleurs, lui, au niveau de son scolaire, ouais. Nickel, note de A, parfait. Il a fait ses devoirs, il me semble. Ouais, c'est terminé. Ça, c'est quoi qu'il a ramené? Une œuvre? Mais qu'est-ce que c'est? C'est, d'accord, c'est un bento en plastique. Pourquoi pas? Bah, il va le garder avec lui, on le mettra dans sa chambre. Hein. Bon, je vais jeter la nourriture périmée, par contre, parce que là, ça cocotte. Oh, quoi? Mitaine, il a vomi où? Oh my god! C'est aussi répugnant que dans la vraie vie, quoi. Ok, poubelle. Manger les restes salade d'automne. Mayron, il a mangé. Ouais, il allait se coucher. Il est très sérieux, ce petit. Puis demain, ce sera un ado, j'ai trop hâte. Bon, j'espère que Tim est une bonne personne pour Casey. Franchement, j'ai l'impression que c'est une bonne personne, ok? Il a une petite dégaine comme ça de geek, mais moi, ça me dérange pas. Il a l'air gentil. Je pense qu'il va bien s'occuper de Mayron. Oh, apparemment, Casey apprécie vraiment Mitaine. Elle souhaite partager avec Mitaine une amitié exceptionnelle pour toujours. Bah, bien sûr. Évidemment. Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une miette. Les miettes peuvent tomber dans les Sims 3. Non, mais c'est ça, c'est incroyable. Je suis désolée. Meilleur jeu ever. Oh non. C'est cassé. Oh. Bon, je vais appeler le technicien parce que là, elle est trop fatiguée pour le faire. Ah non, elle est pas fatiguée. Non, n'appelle personne. Ah bah il va arriver. Ok. Bon bah regarde la télé en attendant. Hein. Ah mais elle est vraiment fatiguée. Ouais mais le technicien il va venir, on sera au lit. C'est un peu chelou ça comme truc. Bon tant pis, va dormir. Ah si, il est venu, il est là, ok. Bon pourquoi pas. Hein. Il débouche. Non mais va-t'en maintenant. Ah oh, il était pas mal lui. Attendez, on va se réveiller. Attends, partez pas monsieur. Partez pas. Il s'appelle Matt Kirendal. Non mais pars pas. Il s'en va. Oh non. Je m'en fous, on va le suivre. Hein. Non mais il s'en va. Ah attendez. Je peux? Ouais, c'est bon. Drôle. Ah, mais je peux pas. Bon, bah tant pis. Au revoir, belle inconnue. Par contre, je me plaignais tout à l'heure en mode, comment ça, je mène une double vie. Et là, je veux déjà draguer un autre alors qu'on est déjà avec Tim. Quelle horreur. Je me suis contredit toute seule, en fait. Hein. Ok. Ah, elle travaille aujourd'hui. D'accord. Bon, après, c'est pas très grave. Je crois qu'elle finit... Elle finit tôt. Elle finit à 14h. Tranquille. Et le petit finit à 15h. Bon, on fera l'anniversaire juste après, hein. Que voulez-vous. Mais j'ai déjà organisé la fête. Hein. C'est où? Organiser une fête. Ok. Et on va prévoir ça pour, du coup, je dirais, ouais, 16h. Ok. Heure de début. Donc, 16h. Ça, c'est bien de pouvoir prévoir l'heure. C'est trop cool. Fête d'anniversaire. Et là, on va inviter Tim. Surtout pas inviter Amy, n'est-ce pas? Bah, il faut quand même inviter le papa. Je suis désolée. Hein. On va inviter Marc. On va inviter mon patron parce qu'on est trop amis avec lui. Oh, il y a le réparateur. Bon, venez, on l'invite. On verra ce qui se passe. Hein. Ah, c'est lui qui voulait un rencard, mais je te connais pas, Tao. Bizarre, hein. Et on va inviter l'ami de Cassie, donc Justin, qui est, c'est le père de Mayron. Non, c'est pas le père de Mayron. Oula, je me mélange, hein. C'est notre premier copain, voilà. Oh, et ça, c'est l'ami de Mayron. Après, il va devenir ado, ça va être bizarre, hein. Ah, ça, c'est un ado. On pourrait l'inviter, ça ferait un ami pour mon petit Mayron. Ça aussi, c'est un ado. Écoutez, on va dire qu'ils étaient amis à l'école et qu'ils ont grandi avant lui. Bref, on s'en fout. Tenue, décontracte, vraiment. Et ça commence à 16h. Ok. Nickel. Fonce aux toilettes. Oh non, il faut les nettoyer, elle supporte pas. Ok, vite, pipi. Cassie fête son anniversaire aujourd'hui et Mayron aussi. Oh, il y a les deux anniversaires en un. C'est énorme. Ok, bon, on va arriver un petit peu en retard au travail. Hein. Ça, c'est pas notre faute. Mayron, toi qui es là, tu vas aller aux toilettes et ensuite aller manger, tout simplement. Ah, il veut attraper des insectes et tout. Bah oui, il adore faire ça, mais c'est vrai que là, on n'a pas trop l'occasion. Hein. Pas le temps de manger. Tu mangeras à la cantine, mon petit. C'est parti, X. Je sais même plus si les adolescents dans les Sims 3 peuvent avoir des jobs. Je ne sais même plus, les gars. Je ne sais même plus. C'est grave, hein. Après, il pourra toujours cueillir des fleurs. Hein. Bon, il va, pourquoi pas, faire un effort normal, voilà. Tranquille ou bilou. De toute façon, il a une bonne note. Il est pas totalement dans le vert. C'est son anniversaire ce soir, donc on va pas trop le brusquer, quoi. Mais là, vous voyez, il y a de moins en moins de fleurs. Il y en a pas beaucoup. J'ai tout cueilli, j'ai l'impression. C'est horrible. Bon, moi, je finis à 14h et la fête, elle commence à 16h. Donc, j'aurai le temps de cueillir quand même. J'aurai le temps. Ah, il y a des champignons ici. Ça, je crois que quand je le vendais, c'était quand même un peu cher, hein, je vous jure. Hein. Enfin, je vous jure. On me demande pas de me justifier, mais bon. Attendez. Je vais en trouver
d'autres, je vais en trouver d'autres. J'en trouve pas d'autres. Faut que j'apprenne à me la fermer des fois. Je vous jure, y a rien, quoi. Qui c'est qui a tout ramassé? Oh, elle est trop belle, cette madame. Vous trouvez pas qu'elle est trop élégante? Bref, on s'en fout, regardez. Aller en France et discuter. Mais je peux pas aller en France, vous me saoulez, là, avec votre voyage en France. Ouais, je disais, elle est super élégante. Je trouve que les PNJ, en fait, dans les Sims 3, sont super bien habillés, sont super élégants, ont tous un style, enfin, j'aime trop. Oh, c'est le blondinet, les gars. C'est le blondinet de la dernière fois. Loin de moi, hein. Loin de moi, t'es bizarre, hein. Mes abonnés, ils t'aiment pas non plus, hein, de toute façon, hein. Ok, du côté de Myron, il a faim, le pauvre, hein. C'est pas normal, il mange pas ou quoi là-dedans? C'est pas. Écoutez, on entend les bruits de fourchette et tout. Normalement, il est censé manger, là, hein, je vous jure. Ça va se remplir, je pense, hein. Ah, voilà, c'est bon. C'est trop bien fait. Purée. Vous aviez entendu les bruits d'assiettes, les bruits de plateau, etc. Et bim, ça s'est rempli à midi, quoi. Incroyable. C'est tellement bien fait. J'adore. C'est quoi? Attendez, il doit nettoyer la cage des insectes à l'école. Bah ouais, pourquoi pas? Ça va lui faire augmenter ses notes, apparemment. Donc, moi, ça me va, hein. Bah écoutez, il va le faire maintenant, comme ça, au moins, parce qu'après, il pourra plus, il sera ado. Ok, Cassie, elle a fini. Elle ramasse les fleurs et elle rentre Fissa. Purée, elle est fatiguée, elle sent mauvais. Ça va être complexe. Bon, petite douche. Oh non, la fête, elle commence. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va venir avec eux, mais je crois que je sens mauvais, quoi. C'est un peu. On va convoyer tout le monde au foyer. Allez, c'est parti. Tout le monde vient prendre une part. Là, il y a le réparateur, mais en fait, c'est quoi? C'est un ado? Je comprends pas. Présentation amicale. Puis Tim, il est pas venu, les gars. Tim n'est pas venu, quoi. Mais what the fuck? Je suis un peu dégoûtée, là, du coup. Il veut pas de nous, quoi. Il est sérieux? Je vous jure, il est pas là. Oh, il y a Marc. Il m'a fait peur. J'ai cru que c'était un cambrioleur. Tu m'as fait peur, hein. Bon, Myron, va un peu parler avec ton père. Comment ça, présentation amicale? Pardon? Quoi? C'est ça que je vous ai dit dans les Sims 3. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il y a aucun lien de parenté, quoi. Franchement, tu parles pas à ton père pendant 2-3 jours, tu le connais plus, quoi. C'est un étranger. Alors qu'il apparaît bien dans ton arbre généalogique, quoi. Bon, je vais acheter le gâteau d'anniversaire parce que c'était comme ça avant. On le cuisinait pas. Voilà, super. Et il va venir souffler les bougies, hein. Allez, c'est parti, tout le monde. Par contre, ouais, il n'est pas du tout venu, Tim. Je suis un peu deg, vraiment. Je vais me présenter à Matt, du coup. Allez, anniversaire de Myron, let's go. Petit adolescent. N'empêche, la vie romantique de Cassie, elle est très compliquée. Hein. Franchement, on va pas réussir à se poser avec quelqu'un, je vous jure. Hein. Mais lui, je sais pas pourquoi je le sens bien. Et puis regardez, ils vont trop bien ensemble. Justin, il me fait mourir de rire. Ils vont bien ensemble, je trouve. Je pense qu'il peut y avoir potentiellement quelque chose. Allez, c'est parti. On souffle les bougies. On fait un petit vœu. Voilà. Let's go. Ok, c'est devenu un adolescent. L'angoisse et les hormones en ébullition peuvent rendre cette période difficile pour un sim. Oh my god. Myron peut désormais entrer dans le monde du travail en prenant un emploi à mi-temps. Donc ils peuvent avoir un travail. Même si ses notes sont encore très importantes pour son accès futur, sur son succès futur, je sais pas parler. Grâce à sa réussite scolaire, vous pourrez choisir un trait pour Myron. Ouah, trop bien. Ouah, la teuté, frère, faut que je te relook. Vraiment. Ah non, c'est pas possible. Non, on va te relooker. Bon, du coup, je pense qu'on va lui choisir un petit trait qui lui correspondrait bien. Sachant qu'il aime bien un petit peu tout ce qui est animaux, etc. Il faudrait lui trouver quelque chose dans ce sens-là. Hein. Après, j'avais réfléchi et je me disais que ça pourrait être intéressant pour lui d'être réticent à s'engager. Puisqu'il aurait vu Cassie galérer, etc. Et comme c'est sa mère et qu'il tient à elle, tu vois, bah il aurait vu à quel point c'était compliqué. Et du coup, il aurait du mal avec l'engagement parce que bah déjà, son père, il l'a abandonné, hein, clairement. Il est parti ailleurs, donc je me dirais que c'est peut-être pas mal ça. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose, mais je pense vraiment que je vais mettre ça. En mode, il veut pas se poser parce qu'il a trop vu Cassie souffrir, quoi. Ouais, on va mettre ça. Ok, why, t'es vraiment spécial. T'es spécial, hein. Purée, mais Matt, il est parti. Ah, mais il est là. Ok, ça va. Je vous jure, il est parti. On va le réinviter pour voir. En même temps, je pue, donc ça va être un peu compliqué. Marc, tu nous gênes. Purée, toujours là où il faut pas, celui-là. Ah, il y a la mascotte de l'université qui est venue, comme Myron est un adolescent. Ah, elle s'évanouit, elle est trop fatiguée, ma pauvre Cassie. Bah, évidemment, mais je suis complètement teubée, hein. Oh là là. Elle s'est écrasée comme une crêpe, hein. Bon, Myron, tu vas un peu changer d'apparence, là, parce que ça va pas du tout. Marc, il fait comme chez lui. Il me fume. Ah, là, il y a de la musique, contrairement à tout à l'heure. On s'enjaille. Mais c'est quoi cette tête? C'est quoi ces yeux, frère? Je retrouve rien de Cassie ni de Marc en toi. Bon, c'est pas grave. On va te relooker, ok? On va t'arranger, si on peut arranger ça. Ça va être complexe, hein. Je sais pas d'où viennent ses yeux. C'est bizarre. Mais Cassie, elle a pas les yeux comme ça, ni Marc, hein. Étrange. Bon, on va mettre ça, ouais. Trop bizarre. Bon, c'est déjà un peu mieux. Mais sa tenue, va falloir aussi faire quelque chose, là. Je suis désolée, c'est pas possible. Genre, Marc, elle a des petits yeux comme As? Je crois pas, hein. Ah, Matt, il a pas envie de venir me voir. Bon, bah, génial. C'est génial. C'est super. Cassie, t'as une vie
vie vraiment mouvementée. Je te jure, t'as une vie très mouvementée. Bon, Myron, il va un petit peu parler à son père. Vous voyez, c'est son père, il a aucune affinité avec lui, c'est horrible. Annoncer son anniversaire, ouais, bah il est là, mais bon. Voilà, ils vont un peu parler ensemble. Hein. Ça, je vais le tège, ça, je vais le mettre au frais, ça aussi. Ah, ils jouent ensemble, là, c'est plutôt mignon. Voilà, nickel. Et Kelsey, elle fait dodo, ok. Vous savez organiser une fête de tonnerre à plus tard. Eh ouais, mec, eh ouais. Bon, du coup, va falloir changer la chambre de Myron la prochaine fois, parce que là, il a une chambre de bébé, quoi. Ah, ton pyjama, ça va. Tu t'es bien looké pour ton pyjama. Oula, non, j'ai vu les chaussons lapin, c'était pas possible. Ah, mais Cassie aussi, elle vieillit, mais je suis teubée, j'avais complètement oublié. Mais what? J'avais oublié son anniversaire. Voilà, bah c'est une adulte mature, donc on peut dire que Cassie a entre 35 et 40 ans, quoi. Par contre, cette peu coups qui nous mettent à chaque fois qu'un adulte change d'âge, c'est pas possible. Va la changer de suite, parce que ça me dégoûte, et après, t'iras prendre une douche. Je sais pas pourquoi ils mettent ces deux couettes, là, quand tu vas te doucher ou quand tu changes d'âge, c'est affreux. Je crois qu'en fait, c'est un bug qui était très récurrent, et ils l'ont pas réglé. Bon, ils ont sorti les Sims 4 et ils ont pas pensé à régler ce bug avant, tu vois. Bah, affreuse. Bon, elle est où la peu coup qu'on lui avait mis, je m'en souviens plus maintenant. Ah si, c'était ça. Voilà, trop belle. Et ouais, maintenant Cassie, c'est une femme quand même assez pas âgée, tu vois, elle est jeune encore, mais faut qu'elle se pose, hein. Il serait temps de trouver l'homme de sa vie, parce que là, mon dieu, quoi. Après, bon, ça fait RP au moins, hein. C'est pas si simple que ça, quoi. Qu'est-ce qu'ils font, les voisins? J'aime bien espionner mes voisins, tu sais. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Regardez-les. Font des petites choses bizarres. En pleine nuit, là, 2h du matin, qu'est-ce que vous faites? Cat Hunter et Marc. Marc? Pardon? Attendez, quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Alors là, j'y crois pas. S'il se passe un truc entre eux, je n'y crois pas. Ils se rencontrent, ok. Mais pourquoi? Oh! Qu'est-ce qu'ils font? Il va aller chez elle? Non. Arrête! Pardon! Oh! Il s'est mis à poil ou quoi? J'ai entendu le bruit de... Pardon? Non mais là, il faut que j'espionne. Faut que j'espionne à tout prix, en fait. Mais il est où? Oh! Avec ma voisine? Je veux rentrer! Je peux pas rentrer. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais là on est en train d'espionner, mais je vous jure il se passe quelque chose là. Dans la chambre? C'est une chambre? C'est quoi ça? Oh là là, moi, Marc et moi, c'est vraiment finito pipoto. Je peux plus me le voir. Hein. Maintenant il va chez la voisine et voilà quoi. Purée. Ce Marc, non mais c'est Satan ce mec, c'est pas possible. Hein. En plus avec une dame âgée quoi. Alors, je sais, il y a l'expression qui dit c'est dans les plus vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Enfin quand même. De toute façon demain il va falloir qu'on donne rendez-vous à Matt pour voir si ça peut matcher entre nous, parce que Tim il m'a grave déçu, il est même pas venu à l'anniversaire de notre fils quoi. Le je m'en foutisme intégral, genre vraiment ça m'a trop déçu de lui, il voulait juste nous choper en fait je pense hein. Aïe, tous les mêmes, il y en a marre comme dirait Stromae, ah oui même dans les Sims hein. C'est le printemps, bah oui j'avais remarqué hein. Vacances gratuites? Oh! Kelsey et tous les adultes viennent de gagner un concours, ils gagnent des vacances gratuites de 2 jours, allez-y détendez-vous en l'absence des adolescents de votre foyer, ne vous inquiétez de rien, laissez les ados tranquilles, oh my god. Donc là ça veut dire que Myron il va rester tout seul, mais qu'est-ce qu'il va faire tout seul? Mais j'ai pas envie moi. Non madame, on a quelqu'un à choper, on est vieille maintenant, non j'ai pas envie de partir en vacances gratuites, ça va pas ou quoi dit? Vous voulais me virer de ma propre maison. Non. Ça aurait été intéressant si Myron avait eu, par exemple, beaucoup d'amis, une petite copine, etc. Donc, j'aurais dit oui. Mais là, franchement, non. On est concentré sur Cassie, faut qu'elle se pose. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a ça, quelquefois. C'est plutôt cool. Par contre, toi, ce que tu vas aller faire, tu vas aller au centre de relooking, ok? Tu vas aller là-bas. Hop là, tu visites et tu te fais relooker. Et Fissa, mon grand Fissa. Et nous, on va inviter Matt. Écoutez, on va l'inviter. Il est où? Il est où ce cocotier? Il est ici. Invité, ok. On va l'inviter à la maison, comme ça, il connaît. Hein. Et Myron, il est là. Ok. Se relooker, c'est parti. Après, il rentrera à la maison. Hein. Ah, Matt, il arrive. On va pouvoir voir si ça va matcher. Sinon, bon, on laissera tomber. Hein. On laissera tomber et on verra avec Tim s'il y a moyen de rattraper. Mais franchement... Je le sens mal. Oui, t'as une dégaine de pute, toi. On va arranger ça, t'inquiète même pas. Je pense que je vais lui donner un look un peu, un peu nature, tu vois. Genre quotidien, j'aimerais bien qu'il y ait une sorte de cargo. Un truc très simple. Y a pas un t-shirt simple, genre tout basique, quoi. Ouais, ça, pourquoi pas. Ou alors ça, un t-shirt noir, hein. Ah, j'aime pas, c'est le même t-shirt que Marc. Ça me rappelle pas des bons souvenirs. Ou blanc, ouais, voilà, blanc. Ça, c'est pas trop un cargo, mais c'est vraiment le style que j'imaginais pour lui, donc on va laisser ça. Ah, oh, je voulais lui mettre des chaînes, mais c'est en dessous du t-shirt. Ah, oh, ça, c'est mal fait par contre. Hein. J'aurais aimé qu'il l'ait au-dessus, quoi. Bon, on va lui mettre une montre. Bon, tant pis, hein. Et des chaussettes hein, pour pas côté froid, yep. Bon, tenue habillée, ça va être très simple. Voilà, basta. Pyjama, c'est parfait. Moi, je trouve ça cute. Tenue de sport, il y a juste le bas et les chaussures qui vont pas, sinon ça va. Maillot de bain, ok. Et vêtements d'extérieur, wow, incroyablement les. Non. Tu vas remettre ton pantalon comme ça, ouais. Et je pense que tu vas mettre une veste un peu comme ça. Oh là là, trop beau, j'adore. Christina Cordula en sueur. Hein. Bon, Matt, il est toujours pas arrivé. Ah, il arrive. Par contre, j'aimerais bien que Myron, il aille ailleurs pendant qu'on drague ce petit Matt là. Je pense que je vais le faire aller, pourquoi pas, au festival. Voilà. J'ai pas trop envie qu'il reste
avec nous, quoi. On va lui demander s'il est célibataire, déjà. Alors, voyons. Ah, ça a l'air, ça a l'air. Ok, ok, il est célib, il est célib. Oh, il est célib. J'ai l'impression d'être en sixième quand je dis ça. Ah, il nous aime bien, il nous aime bien. Il nous aime bien, les gars. Il nous aime bien. Il nous trouve très séduisante, en tout cas. Premier baiser, allez. Ah, il nous a repoussé. Oups, oups. On est allé un peu trop loin, je crois, mais bon, on va rattraper ça. On va rattraper ça. Est-ce qu'il veut bien un câlin? Oui, il veut un câlin. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais aller aux toilettes et on va aller avec lui dans un endroit que j'aime trop. Qu'elle ait au moins un premier bisou avec lui qui soit quand même joli, quoi. Donc cet endroit, c'est à ce niveau-là, il me semble. Ouais, c'est ici. Je vais y aller avec lui. Parce que, bon, les premiers bisous dans la maison, dans la salle de bain et tout, on se rappelle de la demande en mariage avec Marc dans la salle de bain, c'était pas fameux. Allez, on y va avec lui en voiture. Faut au moins que ce soit un peu romantique, quoi, la vie de Cassie. Ok, c'est là. Il est où? Ah, il est là. Ok. C'est quand même un cadre plus cute pour faire un premier bisou, quoi. Allez, je me lance. Premier baiser, est-ce qu'il va vouloir? Je sais pas du tout. Ah, non, il veut pas. Ah non. Ah non. Il faut qu'on aille un peu plus doucement avec lui, genre. Mais il nous trouve séduisante, je comprends pas pourquoi il veut pas. Bon, au moins, il veut prendre son temps, les gars. C'est quand même bien, hein. Tous les autres, ils prenaient pas leur temps. Donc c'est plutôt pas mal. On va lui faire un câlin et ensuite, on l'embrassera parce que là, il nous trouve extrêmement irrésistible, comme vous voyez. Donc normalement, c'est bon. Premier baiser. Ok, Cassie. Oh non, j'ai tout loupé. Ah, c'est bon. Ah, trop bien. C'est adorable. Proposer de se stabiliser. Bah oui, hein, c'est bon, on a trouvé le bon, les gars. C'est bon, Cassie a enfin trouvé le bon. Oui, il veut bien. Oh, ça y est, on est en couple. Ça y est, on est en couple, les gars. C'est trop cool. Demande un mariage, pas quand même. Donc écoutez, les gars, c'est sur ça qu'on va se laisser. Il s'est quand même passé des choses dans cet épisode, mais vraiment, la vie de Cassie, c'est une série Netflix, hein. Je vous jure, c'est compliqué. Au moins, là, je pense qu'elle est bien posée avec lui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi, n'oubliez pas de me dire si vous voulez qu'on suive un petit peu Myron à l'université. Tout en sachant que je pense qu'on va avoir un bébé avec notre petit Matt et que je ferai en sorte que ce soit une fille pour qu'on puisse après jouer avec cette cimette là, puisque personnellement je préfère jouer avec des cimettes, donc écoutez, vous me direz. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine, ciao.